Hier soir, mon GPS m'a joué des tours pour arriver à Carbes, non loin de Castres. Hugo et son père Michel m'y ont accueilli comme un vieil ami. Après une visite de l'atelier de poterie de Michel, nous avons dégusté le repas que ces deux bons vivants avaient cuisiné. Ce matin, je leur donne un coup de main pour retaper la vieille bâtisse. Puis Hugo prend connaissance du cadeau que Baptiste lui a transmis. Salut Hugo! Alors du coup, voilà, donc moi je vais t'offrir ce petit fanzine qui s'appelle le Lama. Le dernier qui a été fait, il n'y a pas de numéro 4. Donc voilà, en espérant que ça puisse repartir un jour. En tout cas, voilà, si tu peux passer un bon petit moment à bouquiner ça, bah c'est cool. Après cela, répétition générale. Ce soir, Hugo va jouer sa dernière compo au Boulet Gassonne, à Castres. Il est guitariste, bassiste et multiplie les projets artistiques. Moi, je me demande toujours où je vais dormir ce soir. J'irai bien à Bugarac, non loin, et j'ai écrit à ce mec. À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. Mais il m'a foutu un vent. Hugo n'a pas l'air de s'affoler et me dit qu'il a un plan. Olivier, et en fait il fait le tour de France en couchsurfing, enfin il dort chez les gens, et chaque soir il dort chez une personne différente. Et ce soir il cherche quelqu'un, donc si quelqu'un veut me suivre pour le loger.